Eh, coucou petit chéri, comment ça va? Je me suis fait percuter par une voiture. Ben moi ça va super. Et donc là, je vais vous présenter un petit best-of Urbex. Donc en gros, j'ai envoyé 4 de mes gars dans un petit fort abandonné de nuit. Autrement dit, ils vont bien se chier dessus les cons. Enfin bref, si tu veux plus louper les lives de McQueen, follow sa chaîne en description. Allez, bisous mes chéris. Du coup, est-ce que vous nous entendez bien? C'est tout bon, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Lucas et de Thibaut. Lucas, ouais. Elixir, 5 Elixir, beau gosse, sweet baby. Ouais. Ah là là. 2 barres plus 9. C'est différent, mais je t'aime. Du coup. Et vous oubliez pas quelqu'un, les gars? Oui, c'est vrai, ouais. Il est là. Ouais, c'est waouh. C'est waouh. Du coup, on va aller visiter un petit lieu urbex tranquillement. Et voilà quoi. Bon, on y va? Ouais. On a quoi d'autre à faire? Oh mec, t'as oublié un truc. Je sais ce que t'as oublié, frère. Quoi? On peut passer chez toi. Quoi? Non, t'inquiète. Ah bon? T'inquiète. Ok, let's go, allez, on y va. Ok. On y va. On y va. Ouais, Lucas. On est en plein Lyon, on vous dira pas où exactement parce qu'on veut éviter le stream à IRL, mais on va du coup arriver directement au lieu. Ah c'est là frère. C'est là, c'est ce truc là. Tu veux qu'on se lève? Ouais c'est ici. Ok, donc là nous avons du parcours, le free runner. Ah let's go. Le free runner. Regardez le crabe. Oh, le crabe ancestral. Le crabe. Ça c'est bien, ça c'est beau gosse. Ok. Je monte moi, je monte sans m'aider du truc. Ok, attention. Attends, recule Lucas, je vais te faire mal. Sans m'aider. Ok. Oh. Oh. Vas-y, à toutes les refs, hein. Là, on l'éclaire bien. Ah, frère, là, pas c'est... trop, Jérémy, éclaire pas trop, on monte quand même. Ils mettent la pression, les bâtards. Bien sûr, je vais mettre une main. Alors, attendez, j'ai juste un truc à dire. Il y a des petits éboulements, déjà en haut. Oui, ça, faut faire gaffe, ça tombe. Gaffe à votre tête. Donc on n'a pas de casque. Faites pas ça chez vous, hein, c'est fait par des professionnels. Je peux peut-être éteindre un peu la lumière. Parce que là, je vois rien du tout. Là, je vois tout noir. Et juste, dans l'urbex, on pourra pas aller trop profond parce que comme en fait, c'est fait que de pierre. Je suis un guide archéologique. Comme c'est fait que de pierre, la bande passante ne passe pas. Donc de temps en temps, si le live il coupe un petit peu, n'hésitez pas à rester sur le live, ça reprendra automatiquement. Pourquoi je suis soufflé? Frère, parce que t'es... Il y a une sacrée montée là quand même. Hein, ça va monter. Oh mec, c'est quoi ça? C'est des chauves-souris, c'est quoi? Oui, c'est des trucs bizarres. Oh non, j'ai trop. J'ai cru qu'il y avait un tremblement d'eau. Oh mais frère, moi j'ai peur. Ça va être terrible, on peut pas aller trop profond. N'hésitez pas sur le chat à dire quand ça bug pour qu'on essaye de rebouger le téléphone pour voir si ça se reconnecte bien, etc. Et que vous trouvez un petit peu... Non. Ça y était pas. Tadam, tadam. Et toi, regarde bien en haut le cavé que t'as. Ouais, je sais ce que je fais, ouais. Et après, genre, tu peux suivre. Là, je pense que là-dedans, tu casses un petit peu. Et en fait, a priori, la dernière fois, ça marchait bien quand t'étais dans les halls. Et ouais. Dès que tu passes les petites pièces, que ça te fait pas. Genre, c'est parti là et tout, c'est pas mal. Après, ici, c'est le premier spot parce qu'en gros, ce spot-là, il se divise en 4 parties. Donc, les armes lourdes, la tête, vas-y, bienvenue, on peut passer par les petites trucs. Non, 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 il y a des trucs ici. Ouais. Oh, mais frère, mais ça fait tellement coller. Regarde en haut comment c'est grand, sa mère. Ça s'appelle le fort du L, parce que le L c'est le S. C'est le L, S, S. Il n'y avait pas de, de chaise comme ça, il y a des mecs qui sont venus se poser tranquille au calme. Ouais. Putain, sympa hein. Ah ouais, je pense qu'on... Alors qu'est-ce que vous en pensez un peu là? Un petit retour à chaud. Oh putain, je pensais que c'était une pierre. C'est qui? Je m'enfonce dans des sables mouvants, let's go. Ouais. Putain, là t'as pris un bâton. Ouais, je pensais que j'avais trouvé genre... Prends une arme, hein. Une arme du, enfin, l'arme du début, tu vois, pour le paladin, tu vois, je pensais. Ouais, c'est ça, genre tu prends un petit marteau, une petite épée. Bah là, tu vois, il y a un petit bout de bois, là. Ouais. Ça sert d'être une arme pour un voleur, tu vois. J'ai une grenade flash.
À tout moment, je la lame au max. Let's go. Bon, ça avance. Mais attention, il y a un arbre, mec. Oh merde, oh merde. Passe tranquille. Attends, je le nique. T'enlèves la feuille. Oh, Cimer, frère, Cimer. Oh, tu gères. Cimer, poteau. Je suis comme un frère pour toi. Putain, t'es vraiment le sang de la veine, hein. Allez, let's go, suivez-moi. Là, allez. On passe sous les arbres. Ouah. Putain, c'est la technologie, ça. Twitch, avant, c'était pas comme ça. Hein. Oh, les gars. Oui, je l'ai, en fait, trop de balles. Ah, mais t'es un connard, frère. Tu m'avais pas dit que tu l'avais, frère. C'était la feinte. La feinte de genre, ouais, je l'ai pas et tout. La vie, frère, je suis tombé dedans, frère. Là-bas, non? Parce qu'il y a une surprise pour Lucas, chut, faut pas le dire dans les commentaires. Non, mais dis-le pas, il est là, Lucas. Ouais. Alors. Après, je voudrais pas te dénigrer sur ta. Ah, mais regardez-moi, ça, c'est des pierres qui datent des années longtemps. Regardez-moi comment elles sont dures. Ouf. C'est de la vraie bedrock. Attends, par contre, oh. Fais une bonne action, Antoine. Ramasse cette bouteille que tu iras jeter. Ça... Oui, bah viens. Allez, tu le fais maintenant. Tu le fais, je te dis. Il y a tout le monde qui te voit. Il y a tout le monde qui te voit. Tu dois la prendre et la garder avec toi. Et tu la... on la mettra à la poubelle. Non, oui, bah je vais. Je filmerai la poubelle pour le best-of. Hein. Je tiens à le dire. Je la mets sur la route et tu dis au chat de nous faire penser. Pas du tout. Tu la gardes avec toi. Tout le monde le dit. Oui, je la garde. Je filme la mise en poubelle. Hein. Là, je l'ai. Elle est où? Go. J'irai la jeter. Le chat, regardez-moi, on se regarde droit dans les yeux. J'ai deux lights en plus pour m'éclairer les yeux, je ne vois rien. Allez, faire, on y va. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller. Donc ouais, du coup, c'est un fort. Hein, du coup, c'est un fort. C'est un fort, ouais. Enfin là, a priori, c'est toute forêt. Mais en gros, il a été quasiment entièrement démoli. Donc en fait, entre chaque point du fort, t'as une grande forêt, en fait. Uh-huh. C'est un peu galère à... Je disais, ouais, il y a des soirées qui se font ici. Ah ouais? Un truc un peu glauque, tu vois. Ok, ouais. Une sorte de rave, genre? Ouais, en gros. Ok, ouais. Ah la frappe. Viens, il y a un truc. Oulala. Oulala, il y a un buffle. Ah non, c'est Thibaut, pardon. Comment on rentre? Qui c'est qui rentre le premier là-dedans? Ah, c'est un petit cachot. Vas-y, j'y vais. Antoine qui s'élance. Jette une pierre d'abord. Jette un truc. On sait pas s'il y a des animaux comme ça, s'il y a des rats, ils sont. Moi je veux juste fumer le derge d'Antoine. Ah non, pardon. Je sais pas si tu vas capter dedans, tu vas pas capter. On va pas capter, on va pas s'éloigner. Attends, juste pendant un petit temps. Tu vois là, ça a l'air d'être un ancien cachot ou je sais pas quoi, ils ont pété les barrières. Et tu peux rentrer dedans et là t'as un truc sans fin dedans, non? Ouais, clairement, il y a un escalier, je vois même pas le bout. Ça sera sur YouTube bientôt, les gars. On ira le voir. Ouais, en gros, c'est ça que moi j'aimerais aller voir. Tu sais, en vidéo, faudrait quand même qu'on fasse le truc maintenant qu'on a le matos. Moi, ce que je et là, il y a des trucs beaucoup. Ce que je propose, c'est que tu ailles et on compte le nombre de secondes que tu descends. Et donc, au bout. Non, je suis pas chaud. Et si on jette une pierre? On peut tirer à la courte paille, celui qui. Non, il y en a, il descend pas. Moi, je m'aventure pas dedans. Jette une pierre, essaye de jeter une mais après, en... moi je dis celui qui devrait y aller, c'est celui qui coûte 10 élixirs. Putain, mais Antoine, mais t'es trop beau! Merci. Tiens, ok. Une pierre, sinon, on peut y aller. Ok, si je. Ok. Ok, pour TikTok. Allez, là, tu vas dire. Je peux pas! J'en ai pas. Oh la deuxième, Thibaut, allez! Non, Thibaut. C'est pas si simple que ça. Non, c'est pas simple. C'est très flippant. Et voilà, si je tombe, c'est le croisé. Et le clutch! Et le clutch du joueur! Oh ouais! Un maximum de GG dans le chat! Putain, un maximum de cœur dans le chat pour Thibaut qui a pris un risque démesuré. Il s'est fait opérer des ligaments croisés, en fait il était voué à jouer ça marche. Putain, il y a du contenu là. Antoine est parti du live. Et tu montrais pas la bite? La bouteille. Ouais. On est écolo, Antoine souris. Voilà, c'est bien, tu peux y aller. Eh, c'est pour vous que je le fais, hein. Donc un maximum de cœur pour l'action. Pourquoi tu l'aurais pas fait pour la planète? Tu penses si. À tes petits-enfants? Si, je l'aurais fait pour la planète, je trie mon déchet, tu tries tes déchets, Jérém?
Ouais. Attends, mais je voulais parler aussi. Hein ? Oui, je trie mes déchets. C'est bon. Il voit pas, il y a pas de lumière. C'est vrai qu'il y a pas de lumière, pardon les gars. Y'a Lucas du coup ? Ouais, cool et tout. Non, attends, on peut pas rentrer, ça capte pas. Tu veux que j'y aille ? Tu vois, il peut les là. Oh là, sa mère ! C'est grand ? Sa mère les gars c'est bon. Oh sa mère la pute, niquez vos races. C'est bon, je me casse de là. Frère, c'est des sous-sols avec des fonds immenses. Ouais, c'est ce que je te disais là-bas. Il y a des soirées là. Ah mais regardez-moi comment c'est, putain, c'est tellement bien rangé. Bah ouais, c'est vrai. Mais gros, c'est juste en attendant que les éboueurs viennent les voilà. Prendre les poubelles. Si merde. Lucas, tu peux en prendre un, Thibaut. Antoine, c'est un peu l'épisode crash test qu'on a préparé pour tester un peu ce genre de concept. Et du coup, si après par la suite on peut en refaire d'autres épisodes, 1, 2, 3, 4, 5, épisode 59, let's go baby les gars, faites tourner l'info et moi je prends toutes mes DM sont ouvertes pour les lieux d'urbex. On fait le cadeau pour Lucas. Oui, attendez, on va faire le cadeau. T'es prêt ? Deux. C'est bon. C'est quoi ça ? Ah, Lucas, c'est quoi ça ? Lucas ? Lucas ? Lucas ? Lucas ? Filme bien, Lucas. Lucas ? C'est quoi ça par terre ? Pardon. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Lucas. Joyeux anniversaire. J'aime trop l'ambiance. Arrête. Tu es là ou pas ? Bah oui. Non, tu l'as ? Bien sûr. Non, tu l'as ? Oh, qu'est-ce qu'il est mauvais. C'est ça, un pote. C'est ça. Non, mais c'est ça, un pote. Oh, c'est mauvais, c'est nul. Je remets l'éclair. T'as tout gâché. Tu l'as vraiment ? Bah oui. J'étais persuadé que t'avais que un jeu sur Switch. Mais pourquoi j'en aurais ? Bah, c'est pas grave, on peut aller le changer. Il y a le ticket à Pike. Regarde le ticket qui est Bah non, mais du coup, par contre, tu sais, il y en a un nouveau qui est sorti, tu vois. Non, il sort fin 2022. Non, il y avait une extension de celui-là, en gros. Genre. C'est un DLC. Ouais, non, c'est pas un DLC non plus. Vas-y, bah on regardera. Bon, bah, On lui achètera Pokémon. Bon, on retourne dans la rue. Et c'est le finissant de tournage. Bon, l'équipe. Putain, c'est collé ça. Bon, bah, les gars dans le chat, on dit au revoir au lieu. Au revoir le lieu. Ah, mais vous voulez pas m'aider à faire des vannes ? Non. Putain. C'est vraiment un peu nul en vanne. Hein. Mais non, mais frère, c'était trop mignon, genre, au revoir le lieu et tout, genre. Au revoir le lieu. Voilà. Au revoir le lieu. Waouh, c'était. Attends, viens, on te montre, on t'a pas montré encore. Son flow sur 10, vous en pensez quoi, les gâtés ? Au revoir le lieu, au revoir. Ah, tu vois, ils ont fait. Après, en vrai, c'est le premier lieu. Ouais, et du coup, genre. C'est crash test. C'est ça, c'est crash test, exactement. Je vous avais dit, c'était l'épisode 0. Crash test, fallait qu'on essaye voir un peu comment ça rendait. Mais, genre, ouais, comme je disais, s'il y a des gens sur Twitch qui ont des lieux, des écoles, des habitations abandonnées, où, genre, vraiment, on irait sans dégrader le lieu, etc., ça serait grave lourd. Donc, du coup, voilà. C'était pour vous montrer un peu qu'est-ce que c'est un live urbex. Et franchement, c'était cool. Au revoir le live. Au revoir le live. Ah, c'est bon. Je me commande maintenant. Salut.